enculé. Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bah quitte à changer des trucs, tu vois, dans les vidéos en ce moment, bah, on va faire une vidéo debout. Ça, je crois que ça doit faire un an ou deux ans que j'ai pas fait une vidéo debout. T'sais. Écoute, j'ai encore pas mal de trucs à faire là aujourd'hui. Du coup, je vais en profiter pour répondre. Je vais répondre à une question. Si tu veux me poser ta question, t'as un lien dans la description juste en dessous là. Et en fait, moi, ce qui est génial, c'est que j'ai créé un petit système et je reçois directement toutes les questions que tu me poses sur mon téléphone. Du coup, ça s'ajoute comme ça et au fur et à mesure, je peux répondre à des questions, tu sais, dans des journées comme ça où c'est un peu la galère. Du coup, j'ai une question de Neil qui me demande « Salut Egon, pendant mon service civique, j'ai des élèves étrangers avec qui je dois avoir des conversations. Le problème, c'est que j'ai des élèves qui sont dans la case victime. » Ah oui, la case victime, tu sais, c'est ce dont on a parlé dans la vidéo de cette semaine, là, d'ailleurs. C'était il y a un ou deux jours. C'est les personnes qui, n'expriment rien et qui écoutent trop, enfin qui sont trop en mode écoute, c'est-à-dire qui sont complètement renfermées sur elles-mêmes, qui osent pas dire ce qu'elles veulent, qui ont pas de, comment dire, pas de motivation, pas d'ambition, des personnes un petit peu molles, si on peut dire comme ça, tu vois. Rien de péjoratif, hein, mais c'est juste des personnes très très introverties. Donc le problème, c'est que j'ai des élèves qui sont dans la case victime, des élèves qui ne donnent aucun avis, qui n'ont pas d'opinion, qui n'ont aucun sujet de conversation ni de passion. Du coup, ça rame, je galère à avoir des échanges avec eux. Dans ce cas, comment peut-on faire quand on est obligé de parler à des victimes? Sachant que je préfère échanger que de monopoliser une conversation. Ouais, je capte. Écoute, Neil, du coup, ça relève vraiment de la communication, du sujet dont on a parlé cette semaine-là. Ouais, je vois le problème. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un qui me suit sur la chaîne. Ça fait deux fois que je la vois déjà, cette personne, et on a beaucoup parlé de la communication notamment. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ces cas-là, dans les moments où on a affaire à quelqu'un qui est vraiment renfermé, quand on a affaire à quelqu'un on a l'impression que cette personne, elle a besoin d'aide, du coup on a envie de l'aborder, on a envie de l'ouvrir et tout, mais en réalité, on le sait très bien, tu sais, c'est pas de notre sort en fait. Si la personne n'a pas envie de parler, tu peux pas la faire parler. Et des fois, c'est ça le plus difficile à accepter. Et du coup, on disait ça tout à l'heure au café et on discutait d'un truc, c'était de l'empathie. Et ce qui est super marrant, c'est que en fait, il y a deux sortes d'empathie. Il y a la première empathie qui est assez fourbe, assez piégeuse, qui n'est pas la vraie empathie entre guillemets, mais pourtant c'est celle qu'on a tous les jours, c'est celle qu'on utilise le plus. C'est quand t'as quelqu'un qui est mal, typiquement, tu vois, genre tu viens me voir un jour à un café, tu fais « ouais, Gon, viens, j'ai besoin qu'on se parle, je me suis fait larguer, tu vois, ça va pas bien et tout. » Et on se voit et tout, et du coup, moi, je vois que t'es pas bien, je vois que t'en chies, je vois que, enfin voilà, post-rupture, quoi, t'as envie de te flinguer, il y a tout qui s'écroule, enfin c'est vraiment affreux, tu vois, quelqu'un avec qui t'étais depuis 3 ans, et ton monde s'écroule, quoi, tu sais plus quoi faire, enfin tu sais comment c'est, ou alors n'importe quelle autre crise, un truc énorme, tu vois. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déployer une empathie où je vais essayer de te remonter le moral. C'est-à-dire que le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de te dire « Ouais, mais non, t'inquiète pas, une de perdue, 10 de retrouvée. » Tu sais, ce genre de truc à la con que tous les potes te disent mais qui t'aident pas du tout. Et une de perdue, 10 de retrouvée, t'en fais pas, c'est pas si dramatique que ça, tu vas t'en remettre, laisse-toi du temps et tout. Et en fait, qu'est-ce que je fais là? Ce que je fais, et la raison pour laquelle cette empathie, c'est pas la vraie empathie, c'est parce que ce que moi je fais, c'est que j'essaye de me rassurer moi. C'est-à-dire que la vraie raison pour laquelle moi, dans ce cas-là, j'essaye de te consoler, c'est parce que j'ai l'impression que on est là, tu te sens pas bien, et vu que moi je suis là aussi, et que tu te sens toujours pas mieux, ça veut dire que c'est de ma faute, tu vois. Parce que quand tu creuses réellement, la plupart du temps, ce qu'on cherche à faire, c'est à se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de remonter le moral de l'autre dans ces situations-là, tu vois. C'est difficile de l'accepter, mais moi, je m'en rends compte aujourd'hui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fois, tu vois, j'ai parlé à des potes et tout, et j'essayais de leur remonter le moral, notamment quand on parlait de situations où mon pote en question était paumé, savait pas ce qu'il voulait faire dans la vie. Et moi, je lui disais, mais gros, bouge et tout, t'inquiète pas, tu vas trouver, tu peux voyager et tout. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais tout sauf l'écouter, je faisais tout sauf déployer de l'empathie dans ce moment-là. Parce que là, ce que je lui disais, c'était des arguments pour moi me rassurer, pour me rassurer que je fais mon rôle en fait, que je remplis mon rôle, tu vois. Donc ça, c'est la fausse empathie, parce qu'en réalité, on n'est pas du tout là en l'écoutant, on est là à lui donner notre avis. Donc on l'écoute pas, on lui donne notre avis à nous, tu vois. Et il y a la deuxième chose qui est la vraie empathie, et la vraie empathie finalement, c'est d'être là et d'accompagner la personne dans sa souffrance sans même avoir un seul mot à dire, tu sais.
Et en fait, c'est ça, le fait de vraiment communiquer, c'est ça la vraie écoute, c'est absolument incroyable, mais en fait, la vraie écoute, c'est l'écoute où t'as même pas besoin de parler, en fait, où t'es juste là et t'accompagnes la personne dans son tourment, tu vois. Parce que la plupart du temps, tu te rends compte que la personne, elle a pas besoin de tes conseils, elle a pas envie de tes conseils, tu vois, elle a pas envie de voir ce qui va aller mieux ou quoi, elle a juste envie de savoir qu'elle existe pour quelqu'un, tu vois. Et comment tu la soutiens dans ce cas-là? T'es là, tout simplement. Et l'erreur qu'on fait dans ces moments-là, et je pense que Neil, c'est ça qu'il ressent, c'est qu'il se sent mal parce qu'il a l'impression qu'il n'arrive pas à les faire parler. Du coup, le problème, c'est qu'on essaye de, on se rend responsable de ce qui arrive à l'autre, tu vois. Alors que c'est pas du tout ça la meilleure solution. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de mauvais pour la personne qui écoute, parce que du coup, souvent, on sort de ces moments-là, tu sais, qu'on passe avec des personnes où on a essayé de la remonter vers le haut, on a essayé de la tirer, de l'aider. On en ressort complètement épuisé. Tu dois bien connaître ça parce que bah, tu te rends compte que tu as donné toute ton énergie, que tu as complètement pris la responsabilité, en fait, que tu as pris la responsabilité de la personne, mais que tu l'as pas écoutée. Mais l'empathie, c'est comprendre sans prendre en charge, tu vois? Et c'est un truc de fou, hein. On a beaucoup discuté de ça cet après-midi. Donc écoute, Neil, juste pour faire court, parce que du coup, il va falloir finir cette vidéo. Mais comment je ferais, moi, à ta place? Écoute, ce que je ferais, c'est que je pense que c'est difficile déjà l'approche de groupe dans ces moments-là. Enfin, moi, je serais, tu vois, moi, je serais toi, je pense que j'essaierais de les prendre un par un. Et de faire des petites balades ou juste de trouver des petits moments sans forcément s'isoler ou quoi, mais juste s'asseoir à côté d'eux et tout simplement être là, tu vois. Et puis quand tu le sens, tu leur demandes juste comment tu te sens, tu vois. Et puis s'ils te répondent pas, t'insistes pas, mais juste être là en fait. Et quand ils ont un truc à te dire, les écouter, mais pas les forcer à leur parler de trucs dont ils ont pas envie de parler peut-être, tu vois. Il y a des gens comme ça, ils ont pas envie de, tu vois, enfin, ils ont juste pas la tête à penser aux passions, aux projets. C'est difficile à comprendre, hein, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à capter ça. J'ai eu du mal que les gens n'aient pas les mêmes pensées que moi, mais pourtant, ça existe. Et pourtant, c'est comme ça, tu vois. Donc, en fait, juste être là, tu vois, juste les soutenir dans leur, et tu te rendras compte que souvent, en disant rien, on apporte beaucoup plus qu'en essayant de rassurer ou qu'en essayant d'engager la conversation, juste en étant là, juste en soutenant, tu vois. C'est difficile parce qu'on a l'impression que, en fait, ça demande d'être vachement patient avec soi-même, ça demande de bien se connaître soi-même, en fait, parce que la chose dont on a peur, c'est d'être inutile, en fait. Mais une fois que tu comprends ce que c'est que le vrai soutien, enfin, une fois que tu l'as compris, et je te dis pas que je le comprends, hein, moi je te dis ça, c'est la théorie, tu vois. Je suis encore le premier à booster les gens quand je les vois, quand on parle, tu vois, de donner des conseils et tout, j'ai beaucoup de mal à ça. Mais en réalité, c'est l'idéal, je pense que c'est ça, quoi, vers ça qu'il faut tendre. Bref, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était un peu, enfin, c'est super intéressant ouais, c'est super intéressant l'empathie comme ça. J'espère que je t'ai répondu à ta question et puis tu me tiens au courant, tu vois, de comment ça se passe. Ce serait marrant de savoir ce qui se passe. Bref, je vais te laisser là. Moi, je vais continuer un peu à bosser. J'espère que cette vidéo t'a plu. T'as le lien dans la description pour laisser une question si t'as envie que j'y réponde comme ça en vidéo. Et t'as aussi le lien de la page Facebook si tu veux aller beaucoup plus loin sur tous les sujets dont on parle et tout, si tu veux interagir, si tu veux m'envoyer un message ou quoi. Tout ça, c'est dans la description. Moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Passe une bonne journée. Prends soin de toi. Ciao.